Il demeure qu'on se retrouve bel et bien avec deux populations de cultures et de langues différentes, partageant un même espace, un même territoire. On peut néanmoins parler de sociétés qui évoluent en parallèle. La vision qu'on a généralement, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous saisissez, il s'agit d'une double structure de classe, avec très peu de riches au sommet, beaucoup de pauvres à la base, mais l'une superposant l'autre. En rouge, les populations d'origine britannique, en blanc, les populations d'origine française. Donc, une structure sociale chapeauterait l'autre, avec beaucoup plus de riches anglophones et beaucoup plus de pauvres francophones. Cette lecture-là, elle a dominé chez les sociologues québécois pendant plusieurs décennies. On parle même chez Denis Monnière, par exemple, d'une double structure de classe, l'une s'imbriquant dans l'autre. La réalité est différente. Et les études, notamment en histoire culturelle, ont démontré que la cohabitation entre francophones et anglophones au Québec depuis 3 siècles ressemblerait plutôt à ça, c'est-à-dire à deux structures de classe qui, en parallèle, avec très peu d'intersection entre les deux. Bonjour. La part de la population québécoise de langue anglaise a beaucoup fluctué à travers l'histoire. Heureusement, il est possible d'en retracer l'évolution historique grâce notamment au recensement. En 1680, 20 ans après la conquête anglaise, le peuplement britannique semble un échec. Seules quelques centaines de marchands sont installés à Québec et à Montréal, tandis que des milliers d'Américains loyalistes s'établissent dans le Haut-Richelieu et en Estrie. De 1815 à 1850, cependant, la vertigineuse immigration d'origine irlandaise propulse la part des anglophones de 12 à 25 % de la population québécoise. Chaque année, la ville de Québec accueille 35 000 immigrants. Souvent malades, ils provoquent régulièrement des épidémies. La part des anglophones culmine au milieu des années 1800. Ils forment alors le quart de la population du Québec. Ils dominent à Montréal et à Québec, ainsi qu'en Outaouais, en Gaspésie, dans les Bois-Francs et surtout en Estrie, où vivent le tiers des anglophones du Québec. La crise économique des années 1880 détourne les immigrants britanniques du Québec. Ils se dirigent désormais plutôt vers les États-Unis et les prairies canadiennes. Le Québec anglophone entame un long repli sur la région ouest de Montréal. Après une modeste reprise au début du 20e siècle, l'immigration au Québec se tarit complètement durant la crise et la guerre. La croissance de la population est alors essentiellement attribuable à la natalité des francophones. C'est la revanche des berceaux, tandis que la population québécoise de langue anglaise n'augmente, elle, que de 2 % par année. On a souvent évoqué le gouvernement du Parti québécois et sa loi 101 pour expliquer le départ des anglophones du Québec entre 1976 et 1985. On voit cependant qu'il s'agit d'un phénomène bien plus ancien, qui se poursuit d'ailleurs après l'épisode péquiste. Les allophones, ceux dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français, sont désormais plus nombreux que ceux de langue maternelle anglaise, qui ne forment plus que 8 % de la population. L'anglais conserve pourtant un grand pouvoir d'attraction sur les allophones qui, ironiquement, sont ceux qui assurent aujourd'hui la vitalité de l'anglais au Québec. Alors, à cette lecture qui aurait proposé que les élites anglophones sont en contact avec les élites francophones qui, elles, sont en contact avec le peuple, cette lecture-là peut être valable, par exemple, lorsqu'on envisage le rôle que le clergé a pu jouer d'intermédiaire. La réalité, c'est que historiquement, se sont développées deux structures de classe. L'élite anglophone côtoie très, très peu l'élite francophone. Même encore aujourd'hui, là, les hommes d'affaires du centre-ville de Montréal, qui sont toujours en avion pour Toronto, ou l'élite de l'Université McGill, côtoie très, très peu là les Pierre-Carl Péladeau, les Gaétan Frigon, les chefs d'entreprise québécoises. En fait, ils ont pratiquement aucun contact. On pourrait même ajouter que l'une et l'autre cultivent cet isolement-là. Je vous en donne une illustration. Est-ce que vous voyez d'autres des endroits où la pureté de l'anglais est mieux entretenue que chez l'élite anglophone? De la même manière, qui sont les grands défenseurs de la qualité du français, d'une bonne écriture, d'une bonne orthographe, sinon au sein de l'élite francophone? Preuve donc que les deux entretiennent rigoureusement leur distinction. En revanche, au niveau du peuple, les contacts sont beaucoup plus fréquents. Alors, on se retrouve avec deux sociétés où l'une a des contacts avec le monde extérieur, l'autre est tournée d'abord vers elle-même, mais où les contacts sont surtout intenses et fréquents au niveau du prolétariat ouvrier. C'est tandis que l'élite britannique est tournée vers l'Empire
et que l'élite francophone est tournée vers Paris, accessoirement vers Rome à cause de l'importance des régions catholiques. Au niveau de la classe ouvrière, beaucoup d'anglophones fréquentent les francophones, dans les chantiers forestiers pour l'essentiel, puis dans les usines. Je vous en donne une illustration immédiatement. Si le monde rural québécois demeure complètement étanche à l'influence de l'anglais, le monde ouvrier, lui, en revanche, adopte très, très tôt l'anglais, autant comme langue d'usage que comme système de valeurs. Par exemple, vous savez, le Québécois, il est traversé de termes anglais, j'en veux. Mais est-ce que vous avez en tête un seul terme anglais, anglophone, qui se retrouve dans le monde, pour définir le monde rural québécois? Regardez bien, n'importe quel monde dans le monde d'une ferme, sur une ferme, trouvez-moi un seul terme anglais. Ben, il y a des charrues, il y a des tracteurs, il y a des granges, il y a des terres, il y a du blé. Vous ne pourriez même pas me dire comment on dit blé en anglais tellement le terme n'est pas usité. Donc, le monde, le vocabulaire rural québécois est demeuré relativement étanche. En revanche, maintenant, transportons-nous dans le monde des chantiers forestiers, des coupeurs de bois. Alors là, c'est l'inverse, c'est pratiquement pas un terme français. Un draveur, c'est un driver qui conduit le bois. On a un boxa pour une scie, on a un shack pour une cabane, on a même un cook pour un cuisinier. C'est vous dire que dès qu'on passe du côté du monde forestier, le vocabulaire s'anglicise. Ce n'est juste qu'une illustration. Ça va être la même chose dans le monde des usines. Prenez juste simplement votre coffre à outils. Là. C'est un wrench, c'est un Westcott. Et dans le monde de l'automobile, c'est un bumper, c'est un windshield, c'est un steering. Bien sûr, ces termes-là ont été beaucoup changés et francisés depuis quelques années. Mais il demeure que par opposition au monde rural qui est toujours demeuré français, le monde des usines, le monde des chantiers, le monde en somme des ouvriers en contact avec la culture de l'Empire vont beaucoup plus s'adapter à la cohabitation avec l'autre société. On parle donc de deux sociétés séparées. L'élite anglaise est tournée vers l'Empire. En revanche, la mixité, elle existe au niveau des ouvriers. Les ouvriers irlandais de Pointe-Saint-Charles et les prolétaires canadiens-français de Saint-Henri se côtoient. D'abord dans les chantiers forestiers, puis dans les usines, on parle le joual. C'est très intéressant que des termes s'échangent d'une langue à l'autre, preuve indéniable d'une mixité. Et preuve aussi que ces deux classes-là se fréquentent, ils écoutent la même musique. Les ouvriers anglophones de Pointe-Saint-Charles écoutent du rock and roll comme les Canadiens français du même quartier. Lorsqu'ils rêvent, ils ne rêvent ni de Paris ni de Los Angeles, ils rêvent de la Floride. Canadiens français et Canadiens anglais de la classe ouvrière partagent les mêmes aspirations, les mêmes rêves, le même cinéma, les mêmes goûts musicaux. C'est donc preuve que les contacts entre les deux sociétés ne sont pas là où on l'aurait présumé. Ces chantiers forestiers furent donc le premier laboratoire de l'acclimatation d'une culture à l'autre. La plus belle illustration sont donc ces fameux chantiers où on se retrouvait à 50 hommes environ pour passer 4 mois. Pour l'essentiel, des agriculteurs de la vallée du Saint-Laurent qui s'expatriaient, qui quittaient leur famille pour un maigre salaire, et des Irlandais fraîchement débarqués de bateaux qui s'engageaient comme bûcherons dans les chantiers forestiers. L'âge d'or, c'est entre 1800 et 1870. Pendant ces 70 ans-là, on coupe à chaque année des millions et des millions de troncs de pin blanc qui sont acheminés ensuite par les cours d'eau jusqu'au port de Québec. Alors, on s'installe tout l'hiver, on attend que la neige prenne pour mieux transporter le bois et surtout que le bois gèle, la sève gèle. Couper un arbre à l'été, je ne sais pas si vous avez essayé, c'est l'horreur. En revanche, en hiver, quand la sève est gelée ou que l'arbre est sec, à ce moment-là, on peut couper un arbre comme de la vitre. Il se coupe beaucoup plus facilement. Donc, c'est l'hiver essentiellement qu'on coupe les arbres. On vit ensuite dans un camp où, n'oubliez pas, l'hiver, il fait noir à 3 heures. Donc, c'est plusieurs heures enfermées dans un camp. Imaginez les odeurs là-dedans, masculines, le pet, la chaleur étouffante parce qu'on ne veut pas ouvrir les fenêtres. Et bien sûr, des Canadiens français, des Canadiens anglais qui passent des nuits entières, les uns
irlandais à jouer les rilles sur leur violon qui vont tant influencer notre folklore, et les autres, les Canadiens français, essayant de rappeler leur rengaine de la Nouvelle-France. Ça donne la musique trad québécoise, ce mélange absolument original d'air irlandais et de paroles en français. Et combien de légendes, d'histoires vont faire le passage de la culture gaélique à la culture française à l'occasion de ces longues veillées aux chantiers forestiers. Alors, le travail est mené rondement. Au printemps, ce sont les draveurs qui arrivent, qui acheminent, parfois à coup de dynamite, le bois jusqu'au fleuve. Là, on aménage des grands radeaux, des cages qui descendent le fleuve, parfois sur des centaines de kilomètres. Alors là, il faut imaginer, là, au rythme des chansons, les hommes rentrent chez eux après un dur chantier tout l'hiver. On gagne et on perd, ça paye plusieurs fois à jouer aux cartes à bord de ces gigantesques cages qui pouvaient faire 100-150 mètres de long et qui descendaient le fleuve jusqu'à Québec. À Québec, s'accumulent des quantités fantastiques de bois. La vue ici d'Orance au Foulon en regardant vers la basse ville montre qu'est-ce que ça a l'air en termes d'accumulation de bois. Tout ça est embarqué à bord des bateaux qui s'en vont vers la Grande-Bretagne. La ville de Québec est au milieu des années 1800, une ville pour l'essentiel anglaise. On distingue à l'époque la haute ville et la basse ville. La basse ville, contrairement à ce qu'on pense, c'est essentiellement la lisière le long du fleuve qui était archi-peuplée au début du 19e siècle, peuplée de marins, de draveurs, de prostituées. On calcule que près de la moitié des femmes de la basse ville étaient des prostituées au milieu du 19e siècle. Donc, une vraie ville impériale, le tournée exotique où l'alcool coule à flot. Et on distingue d'une haute ville, essentiellement peuplée de l'aristocratie anglaise, ce qu'on appelle la clique du château, les marchands anglais et accessoirement le clergé catholique. C'est développé aussi à Québec des faubourgs, hein, à l'extérieur des murs, faubourg Saint-Louis, faubourg Saint-Jean et faubourg Saint-Roch, qui eux sont pour l'essentiel peuplés de pauvres Canadiens français. La ville de Québec, vous y êtes déjà allé, est très marquée au niveau topographique. Là. On peut voir la distinction entre la haute et la basse ville du seul fait qu'il y a une vraie côte qui sépare accessoirement les riches et les pauvres, les francophones et les anglophones. À Montréal, rien de tel. Montréal se présente plus comme une vaste plaine ouverte sur tous les côtés, bien arrosée, bien sûr, en cours d'eau, mais qui ne présente pas d'éléments, à part le Mont-Royal, d'éléments topographiques qui permettent de séparer les classes sociales. Si on considère les contours de Montréal en 2008 et ceux de 1850, on voit que la ville de Montréal est en fait toute petite, mais que cette ville-là, qui allait en gros de la rue Papineau à l'est, à la rue McGill à l'ouest et jusqu'à la rue Sherbrooke au nord, très dense en termes de population, 1850, elle a déjà près de 80 000 habitants. Cette ville, dis-je, présente néanmoins les caractéristiques sociales qui vont marquer le peuplement du reste de l'île de Montréal. Ainsi, si on distingue le centre-ville de Montréal, vous avez le Vieux-Port et le Vieux-Montréal, on voit déjà se découper ce qui va devenir les faubourgs de cette ville et leur vocation. On distingue en général cinq grands cadrans à Montréal, cinq grandes lignes qui ont tous comme référence la rue Saint-Laurent et la rue Notre-Dame au sud. On distingue donc un quartier qu'on appelle Sainte-Marie ou Faubourg-Québec qui a toujours été francophone et pauvre. Ça correspond aujourd'hui au Faubourg Amelas, au quartier là, de la Brasserie Molson et du Pont-Jacques-Cartier. Il y a toujours eu au nord-est un faubourg qu'on appelle Saint-Jacques qui a toujours été français et de classe moyenne. Ça correspond aujourd'hui au Parc La Fontaine, au Plateau Mont-Royal, au quartier Rosemont. Il y a toujours eu au centre un quartier multiethnique. Et oui, la rue Saint-Laurent a toujours été le boulevard des groupes ethniques, d'abord les Français, les Anglais, puis les Irlandais, les Chinois, les Portugais de nos jours. Tous les groupes ethniques commencent par arpenter la rue Saint-Laurent. C'est une zone tampon, pour nous dire, entre francophones à l'est et anglophones à l'ouest, qui habitent plutôt le faubourg Saint-Antoine, qui a toujours été anglais et qui a toujours été riche. Ça correspond à l'ouest du complexe Desjardins, McGill Ghetto, Westmount, Outre-le-Mont, Hampstead, Ville-Mont-Royal. Et enfin, il y a toujours eu à l'extrême ouest, au sud-ouest, un quartier, ironiquement, Saint-Anne, qu'on appelle anglais et pauvre. Alors, il y a une manière simple de désigner c'est quoi un anglais pauvre. On appelle ça un Irlandais. Effectivement, les anglophones pauvres d'origine irlandaise
sont concentrés aujourd'hui, puis autre, ben, jusqu'à tout récemment, en fait, dans un quartier qu'on appelle Pointe-Saint-Charles, Griffintown, ou qui correspond donc aussi à des villes comme Verdun, Saint-Henri, Côte-Saint-Paul, qui correspond donc au pourtour du canal de la Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette séparation, cette discrimination à la fois ethnique, linguistique et sociale entre riches et pauvres, elle se répercute au fur et à mesure que la ville de Montréal s'étend. Encore aujourd'hui, le quartier à l'extrême est, qui correspond à Pointe-aux-Trembles, Longue-Pointe, Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, est plutôt pauvre et plutôt, même massivement, canadien-français. C'est d'ailleurs un des châteaux forts francophones à Montréal. De la même manière, l'ancien Faubourg Saint-Jacques s'est étendu vers le nord, là. C'est toujours francophone et plutôt de classe moyenne. On pense à Rosemont, on pense à Villeray, Ansic, Montréal-Nord mon Dieu, bien sûr, le plateau Mont-Royal toujours. Le centre de l'île de Montréal est toujours très profondément multiethnique. C'est là qu'on y retrouve les communautés maghrébines aujourd'hui, jamaïcaines, le long des axes, les Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, etc. Donc, c'est demeuré vrai jusqu'à nos jours. Pratiquement même jusqu'à l'île Jésus aujourd'hui. L'ancien Faubourg Saint-Jacques, toujours anglophone et toujours riche, est toujours là et s'est étendu vers l'ouest, aujourd'hui jusqu'à Beaconsfield, Baie-d'Urfé, Saint-Anne-de-Bellevue, Dorval, etc., des ghettos anglophones particulièrement riches et particulièrement hostiles aussi à leur adhésion à la ville de Montréal, on en reparlera. Quant au sud-ouest, il est toujours plutôt anglophone, mais quand même avec une forte proportion de francophones. Il est toujours aussi pauvre, avec des villes comme Verdun, Côte-Saint-Paul, accessoirement la Chine, Ville-la-Salle, qui ont gardé quand même des traits caractéristiques. Bien sûr, tout ça tend à s'homogénéiser au fur et à mesure que l'automobile accroît, diffuse les classes sociales à travers le territoire. Mais il demeure que les axes socio-ethniques de l'île de Montréal sont demeurés à peu près inchangés depuis le 19e siècle. C'est vous-même, là, qui êtes des circa-montréalais, avez déjà intégré ces caractéristiques-là. Et quand vous allez déménager en ville, généralement pour travailler ou aller à l'université, votre rêve est d'aller là ou d'aller là. Mais vous allez tous finir à Hochelaga-Maisonneuve, simplement parce que vous allez être appelé par le prix des loyers. Le plus drôle, c'est quand vous avez des amis français ou des gens que vous côtoyez et qui déménagent à Montréal à titre d'immigrants. Eux autres, ils n'ont aucune idée là, de ces murs invisibles qui existent dans la société montréalaise. J'ai des amis français, par exemple, qui sont installés, imaginez-le, à Beaconsfield. Ils disent, mais sont où les francophones? Il n'y a pas de francophones, Montréal, c'est une ville anglaise. Ben oui, tu as déménagé n'importe où. Tu n'as pas saisi que les gens qui habitent le Québec ont intégré ces espèces de murs de Berlin imaginaires et invisibles qui partout jalonnent notre territoire et séparent les groupes ethniques et les groupes sociaux. On le veuille ou non, d'ailleurs. Au moment d'aborder l'épisode Patriote, j'ai un peu le vertige. J'ai moi-même donné un cours à l'université de 45 heures juste sur cet événement-là que je vais tenter de résumer en une dizaine de minutes. Souhaitez-moi bonne chance. Pour bien saisir l'épisode Patriote, il faut d'abord prendre acte de ce qu'on a déjà dit, là. Deux sociétés en parallèle, qui multiplie les sources d'inégalités, d'injustices, les tensions aussi, découlant notamment du fait que la société anglophone et francophone ne se fréquente pas, que l'une contrôle l'économie et l'État, tandis que l'autre est réduite à des tâches subalternes dans l'agriculture et l'industrie forestière. Une fois que vous avez pris acte de cette infériorité économique et sociale, il faut aussi prendre acte du fait que la société canadienne française, elle a néanmoins développé une élite professionnelle là, de notaires, d'avocats, qui prennent la tête, là, qui se sentent appelés à la défense de cette société qu'ils jugent marginalisée. Ils vont donc être à l'origine de ce qu'on va appeler le nationalisme canadien-français, la naissance d'un sentiment d'identité fort qui voit son destin original en Amérique du Nord. Elle ne se sent plus française, ne se sent pas du tout britannique. Elle considère donc qu'elle bénéficie d'une identité qu'elle a le droit historiquement de mettre en valeur. L'autre élément, c'est qu'il y a tout un contexte de l'époque, là. On est à mi-chemin entre la Révolution américaine, la Révolution française, et de l'autre, la Révolution de 1848
l'éveil du nationalisme, l'unification de l'Italie et de l'Allemagne, les révolutions en Amérique latine. Il y a tout un contexte international à l'époque, en pleine ébullition, où on parle d'idées de république, hein, de détrôner les rois et les reines, de faire naître le principe d'un État autour d'une nation et de se débarrasser du joug colonial, comme l'ont fait à la même époque le Mexique, Haïti ou les États-Unis. Il y a un élément également de contexte historique au Québec. Et cet élément-là de contexte, il prend son origine dans la constitution que la Grande-Bretagne a accordée au Canada en 1791, le fameux acte constitutionnel, qui va donner naissance aux institutions politiques, qui va donner naissance à la naissance des partis politiques, aux revendications, aux élections, bref, à une vie démocratique, à tout le moins un ferment de vie démocratique dans Vallée du Saint-Laurent. Ce fameux tableau de Charles Huot, conservé à l'Assemblée nationale du Québec, montre la toute première assemblée du Parlement du Bas-Canada. C'est très drôle parce que, regardez-moi ces types avec des perruques, ils ont l'air très élégants et très beaux. En fait, ce sont tous des petits professionnels de village, là. Il y a là-dedans le père de Papineau, Joseph Papineau, il y a là-dedans l'hôtelier de Saint-Just, il y a là-dedans Pierre-Stanislas Bédard, peu importe, des notaires, des petits arpenteurs, souvent des gros agriculteurs. Certains là-dedans ne savent même ni lire ni écrire, mais sont tout fiers d'être contents d'être les représentants de leur nation au Parlement convoqué par l'ombre. Alors, qu'est-ce qui explique donc cette rébellion patriote de 1837? C'est que en 1791, la Grande-Bretagne, selon certains historiens, aurait commis une gaffe. Cette gaffe, ça aura été d'accorder à la majorité canadienne-française du Bas-Canada un quasi-pays. Ce quasi-pays, vous l'avez en orange ici, borné à l'Outaouais au sud, par le Nouveau-Brunswick à l'est et par le bassin de la baie d'Hudson au nord. Peu importe, en somme, on fait un pays avec la vallée du Saint-Laurent. En créant le Bas-Canada, qui est toujours une colonie, là, qui est toujours soumise à la Grande-Bretagne, on créait quand même un territoire peuplé à plus de 90% de francophones. Donc, tout naturellement, cette population se reconnaît dans l'État bas-canadien. Elle considère que le Bas-Canada peut être considéré comme véritablement son foyer national. C'est en somme, une gaffe, parce que en créant à l'ouest le Haut-Canada réservé aux anglophones, on créait du même fait une vaste majorité autour d'une colonie du Bas-Canada où tout naturellement, on va voir le ferment d'un quasi-pays du point de vue des francophones. L'acte constitutionnel de 1791 créait aussi un parlement. Un fameux parlement, une assemblée législative qui est bien chapeautée là, par des conseillers législatifs, exécutifs et ultimement par la couronne britannique, mais qui est quand même une assemblée populaire, élue au suffrage quasi universel des hommes de plus de 21 ans de la colonie et qui faisait en sorte que les gens pouvaient avoir l'impression de vivre dans une démocratie. Or, ce n'était pas le cas. C'est une quasi-démocratie qu'on leur accorde, puisque les députés sont très largement dépourvus de pouvoir. À peine ont-ils le pouvoir de voter le budget, et encore, si bien que si après avoir vécu l'exaltation de la vie parlementaire, ils constatent très, très vite que leurs pouvoirs sont très limités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au secondaire, vous aviez tous un comité étudiant que créaient les établissements. Alors, je me souviens moi-même d'en avoir fait partie. Un jour, j'étais très content et fier de faire ce que d'avoir été élu. Et dès le lendemain, je me rendais compte des limites du pouvoir qu'on m'avait accordé. Alors, dès qu'on proposait des choses sympathiques et cute, comme organiser un party finissant, etc., ça allait bien. Mais dès qu'on se mêlait de la vie interne, là, des véritables leviers de pouvoir dans l'établissement, là, le directeur disait « Wow, là vous empiétez sur des pouvoirs qui ne sont pas les vôtres ». C'est exactement ce qui s'est produit avec le Parlement du Bas-Canada. C'est que les députés, bientôt les députés canadiens puis patriotes, vont se voir de plus en plus opposés à un « d'abord oui, oui, oui », puis de plus en plus « non, oui, non, 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 non ». Alors, on va ressentir très vite un blocage des institutions de 1791 qui va mener tout naturellement à la revendication d'un État national bas-canadien et à la revendication d'une véritable démocratie où le pouvoir des élus ne connaîtrait plus désormais de limites. Tout naturellement, le mouvement patriote est donc à la fois nationaliste parce qu'il est basé sur un groupe culturel
et qui prend racine dans un foyer national qu'on appelle désormais le Bas-Canada. Et de l'autre, c'est une revendication démocratique, puisqu'on souhaite accroître le pouvoir des élus du peuple lors des élections. Bon, je vous rappelle, vous l'avez vu tellement souvent au secondaire, je vais aller assez vite, que très vite, on constate que si l'Assemblée est élue par le peuple, en revanche, le gouverneur, les conseils et l'ensemble de la fonction publique continuent à être nommés par le gouverneur, la couronne, et qu'on favorise les anglophones, le commerce et l'économie impériale. Au dépens des pouvoirs qui sont issus du peuple, le monde rural francophone demeure mal connu, marginalisé, infantilisé. On assiste très donc à des conflits. L'Assemblée législative vote des lois, le Conseil législatif les adopte de temps en temps, les rejette le plus clair du temps. Ça crée une tension au cœur des institutions politiques. Ça vous rappelle des souvenirs du secondaire, j'imagine. Alors, face à ça, on va assister aux 92 résolutions des patriotes. Alors là, votre prof du secondaire, sans doute, s'est un peu enfargé à propos du responsabilité ministérielle, les élus qui nomment tel autre, etc. Mais alors que tout ce qu'on fait, c'est assez simple. On peut résumer les fameuses 92 résolutions, la solution Papineau, à un désir d'élever le principe d'élection. Si les citoyens du Québec et du Bas-Canada élisent déjà des députés, on veut pouvoir aussi élire les conseillers, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat actuel, au sein de deux chambres. Mon Dieu, ça peut vous paraître étrange et étonnant, et pourtant, c'est simplement copier le système américain. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le Congrès est aussi composé de deux chambres, une chambre des représentants et un Sénat. Ce système-là, les Québécois envoient déjà l'efficacité à la même époque. Tout naturellement, Papineau envisage la même chose, deux chambres réunies au sein d'un Parlement qui, à leur tour, pourraient proposer des lois. Oui, mais à ce moment-là, c'est le gouverneur qui va bloquer. Qu'à cela ne tienne, alors, élisons aussi le gouverneur. Sans aller jusque-là, les 92 résolutions laissent entendre que le gouverneur devrait se soumettre à la volonté des élus du Parlement et donc, par le fait même, qu'il n'aurait plus de pouvoir. Il serait donc naturel qu'il puisse à son tour être nommé, être élu, comme aux États-Unis, où il pourrait à son tour nommer ses secrétaires d'État ou ses ministres. En d'autres mots, les patriotes ne souhaitaient pas le système que nous avons aujourd'hui. Ils ambitionnaient quelque chose qui est à la fois beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus révolutionnaire, mais en même temps, comme on le voit, presque directement copié du système américain. Les patriotes rencontrent un grand succès électoral. C'est une véritable machine à remporter des élections. Lors de la dernière élection avant la rébellion de 1837, celle de octobre 1834, c'est un triomphe, un balayage. Le Parti patriote remporte tous les sièges, sauf ceux peuplés massivement d'anglophones, essentiellement dans l'Outaouais et dans les cantons de l'Est. Alors, on se résume, le projet patriote est bien plus qu'un simple programme politique. C'est un projet de société en trois volets. D'abord, il revendique une économie renouvelée. Le commerce avec l'Empire britannique ne les intéresse pas. Ils n'en profitent guère et la Grande-Bretagne, c'est bien loin et elle ne s'intéresse pas aux produits que produisent les Canadiens français. En revanche, les patriotes ont de vastes projets régionaux, notamment avec les États de la Nouvelle-Angleterre, ceux du Maine, du Vermont, de New York, qui sont tout prêts et qui souhaitent acheter les produits agricoles et forestiers du Québec et dont on bénéficie d'un axe naturel, celui de la vallée du Richelieu, du lac Champlain, qui nous relie directement avec les villes de Albany, New York et Boston. Donc, une économie régionale davantage axée sur les produits qui sont accessibles dans la vallée du Saint-Laurent. Au niveau politique, on souhaite étendre le principe d'élection à tous les niveaux. J'ai mentionné, on élit les députés, mais pourquoi ne pourrions-nous pas élire également un président, voire les juges? Ça vous paraît étonnant? C'est en fait le système qui est alors en vigueur aux États-Unis et qui inspire beaucoup, beaucoup les patriotes. Alors, étendre le principe électif, c'est-à-dire chasser tous ceux qui sont nommés par la couronne britannique, faire perdre le pied à la fameuse clique du château, le Family Compact qui s'approprie tous les postes de fonctionnaires, de juges, etc., pour les remplacer par les élus du peuple. Et comme ce peuple est à 80% francophone, ce sera naturellement des députés patriotes, des notaires et des avocats qu'on va nommer à leur place. Enfin, un projet de société qui embrasse le principe de république. Plus de rois, plus de reines, plus d'aristocrates, plus même, jusqu'à un certain point, de seigneurs. Quoique sur cette question-là, les patriotes sont divisés.
Il faut créer une république axée sur les propriétaires fonciers. Ceux qui doivent détenir le pouvoir, c'est ceux qui ont la terre. Les petits censitaires doivent devenir de véritables propriétaires qui devraient pouvoir jouer un rôle directeur dans la société. Donc, c'est un programme ambitieux qui s'inspire d'idées de l'époque et qui va néanmoins échouer. Dans la capsule qui suit, on va rapidement voir comment, de manière régionale, à l'échelle de la région de Montréal, se répartit la mobilisation aux côtés des patriotes, tant dans la phase politique que dans la phase militaire. Bonjour. Les rébellions patriotes de 1837-1838 avaient été précédées par un long et constant combat politique mené par les députés du Parti patriote mené par Louis-Joseph Papineau pour la démocratie et l'autonomie politique du Bas-Canada face à la Grande-Bretagne. Mais bientôt, les tensions croissantes mènent au soulèvement armé de quelques milliers de patriotes dans la région de Montréal. Ils affrontent alors la puissante armée anglaise et des milices de volontaires lors d'une vingtaine de batailles et d'escarmouches. On distingue donc les militants politiques, ceux qui sont essentiellement actifs avant 1837. Ils participent à des assemblées publiques, à des réunions ou signent simplement une pétition. Par ailleurs, on pense aux patriotes combattants, ceux actifs durant le soulèvement, qui participent à des batailles en 1837-1838. Même si le mouvement patriote est bien présent partout au Bas-Canada, de l'Outaouais jusqu'au Bas-Saint-Laurent, la mobilisation est particulièrement forte dans le district de Montréal, en particulier sur la rive sud. Certains comtés se démarquent par leur militantisme et leur activisme politique. On pense en particulier à Berthier, Chambly et surtout Montréal et Richelieu, où se retrouvent dans les deux cas pas moins de 700 militants politiques organisés, ce qui démontre la profondeur des idées patriotes au sein de la population. D'autres comtés, plus au sud, fourniront davantage des combattants armés qui participent peu à la phase politique, mais particulièrement actifs durant la phase militaire. C'est particulièrement le cas dans les comtés de Beauharnois, La Prairie et l'Acadie, où se dérouleront d'ailleurs les principales batailles. La rive nord de Montréal se caractérise surtout par son militantisme politique, mais guère par son engagement militaire. Ceux de Deux-Montagnes se retrouveront donc bien seuls pour faire face à l'armée britannique lors de la bataille de Saint-Eustache du 14 décembre 1837, une opération qui se soldera par des dizaines de morts et plus de 200 arrestations. D'ailleurs, les principales batailles correspondent aux endroits où on fera le plus de prisonniers, à Saint-Eustache dans Deux-Montagnes, à Saint-Charles, à Sainte-Martine, à Châteauguay, à Beauharnois et à Napierville, Lacolle et Audeltande dans le comté de l'Acadie. Ces rébellions se solderont par la défaite des patriotes et par une brutale répression menée par le pouvoir colonial. Ce qui est intéressant à propos de cette lutte-là, c'est de se poser ensemble la question de sa nature. Est-ce une lutte sociale de riches contre pauvres ou une lutte raciale? Les sociologues et les historiens discutent de cette question-là depuis un siècle et demi. Néanmoins, il y a une citation que j'adore d'un type qui a participé aux rébellions, qui a participé à la bataille de Saint-Denis, qui a remporté une grande victoire et qui est tout fier d'être content. Le soir de sa victoire, il écrit à sa femme qui est restée à Saint-Hyacinthe. Il écrit « Je ne sais pas combien j'en ai tué, mais je tirerai certainement sans remords. » Philippe Napoléon Paco participait à la bataille, il a gagné, il est tout excité, et le soir même, il écrit ceci à sa femme. « Ce n'est pas tant le sentiment des affronts et des injustices subies que le vieil instinct de haine traditionnel de race qui se réveillait en nous. Nous combattions bien le despote, mais c'était surtout l'anglais que nous aimions coucher en joue. » Cette citation absolument remarquable et émouvante d'un type qui participe à l'action résume en fait toute la question des rébellions. Ce n'est pas tant les injustices subies. En somme, il dit « Je suis allé me battre pour combattre l'impérialisme, pour combattre le despote, pour la démocratie, pour un État-nation libre. » Mais en fait, au moment de tuer, au moment de presser la détente, au moment de dire « Tiens, prends ça. » Sans doute, me suis-je dit « Tiens, prends ça, mon Christ d'anglais. » En d'autres mots, il s'est battu d'abord pour la démocratie, mais dans le feu de l'action, il est possible, pour des raisons sociales, mais dans le feu de l'action, il est possible que l'affrontement de race ait pris le dessus. Ça vous paraît étrange ou suspect? En fait, c'est propre à la plupart des soulèvements révolutionnaires. La plupart du temps, les causes de soulèvement, d'une révolte, d'une rébellion, sont généralement basées sur des motifs bien judicieux et bien légitimes de rébellion. Des inégalités épouvantables, l'absence de démocratie. Mais lorsque l'action se déroule, lorsqu'on commence à s'entretuer, en général, des éléments plus ataviques, plus profonds, plus enfouis, plus inavouables
dont la lutte de race peut prendre le dessus. C'est ce que je crois a pris et la meilleure voie pour saisir le déroulement de ces rébellions, qui tirent d'abord et avant tout leur source de lointaines injustices sociales, héritées de la conquête et de l'appropriation de la richesse par les marchands anglais. Ce fut ensuite une lutte politique. Dès 1791, les députés canadiens ont bien vu que cette inégalité sociale devait être combattue. Ils ont utilisé tous les moyens démocratiques à leur disposition. Les patriotes ont épuisé tous les moyens, là, de la pétition aux lois, en passant par les requêtes, les lois. Et, tous et chacun de ces moyens démocratiques ont à tour été bafoués, rejetés par la couronne britannique. Ce n'est qu'ultimement, au terme de 30 ans de lutte parlementaire et démocratique, qu'on a dû recourir, disait-on, à l'usage des armes. Et à ce moment-là, a embarqué une nouvelle dynamique. Quand on sait, par exemple, que la répression par l'armée britannique a essentiellement touché le groupe canadien français, que sur les 1244 arrestations opérées, presque toutes ont visé spécifiquement les Canadiens français, que sur les 12 pendus au pied du courant, chacun était des Canadiens français. Cela prouve que la lutte, tant du côté patriote que britannique, est devenue purement raciale, puisque c'est ce groupe précis que l'on a ciblé afin de, disait-on, de les faire taire et plus tard, avec l'ordre de Rame, de les exterminer. Cette rébellion-là, donc, un grand mouvement démocratique populaire qui gagnait des élections, qui souhaitait l'avènement d'un nouvel État français et républicain dans la vallée du Saint-Laurent, aura donc été écrasé dans le sang. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans la mémoire, ce qui va se fixer, c'est ce dernier épisode. Même dans la rue, si vous allez demander aux gens qu'est-ce que c'est les patriotes, ils vont vous dire c'était des Français qui ont été écrasés par des Anglais. La lutte ethnique va triompher parce que c'est la perception qu'on conserve lorsque le rideau se tombe. Mon image, c'est le rideau tombe sur ces événements et l'image rétinienne qui va rester de ces événements de 37 va demeurer celle d'une répression ethnique. Alors, exit la lutte démocratique, exit la lutte politique. L'épisode patriote, on ne va en conserver que l'amertume, la rancœur envers la couronne britannique. Et de la même manière, les Britanniques vont conserver de la rébellion canadienne-française un souvenir très amer d'une lutte qu'ils jugeaient purement ethnique, archaïque, réactionnaire. Alors que ce n'est en fait que l'effet rétinien provoqué par l'épisode final, c'est-à-dire la répression du groupe canadien-français.